Hey yo tout le monde, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça se fait, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour l'annonce et l'épisode 1 du tout nouveau méga projet de la chaîne de DNS Gaming, donc de notre chaîne, pour la fin de l'année 2016 et peut-être même le début de l'année 2017, mais je pense surtout la fin de l'année 2016. On se retrouve aujourd'hui pour donc la vidéo de présentation de ce projet, projet qui ne tiendra pas, nous mesdames et messieurs, pas sur une seule plaque. Qui ne tiendra pas, mesdames et messieurs, pas sur deux plaques. Hop, je vais mettre bien. Qui ne tiendra pas, mesdames et messieurs, non pas sur trois plaques. Oui, oui, vous êtes en train de faire dans votre culotte et c'est tout à fait normal. Parce que ce projet, eh bien, il va tenir sur quatre places, mesdames et messieurs. Voilà le projet DNS Gaming de la fin de l'année 2016. Un mock qui va tenir sur quatre plaques entières. Normalement, c'est le but. Après, ce qui sera réalisé, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le but. Un mock sur 4 plaques entières. Et que sera ce mock? Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons designer un temple Jedi. Un temple Jedi comme il y en a un sur Coruscant. Mais celui-ci ne sera pas sur Coruscant, mais ça sera sur une planète verte. Je vous en parlerai plus dans le deuxième épisode. En tout cas, on va faire ça. Donc, ça va être vraiment énorme. Alors, vous posez déjà la question, pourquoi s'il y a un côté plus gris, un côté plus... moins gris, un peu plus ancien, tout simplement parce que ça, ce sont des plaques qui sont relativement récentes. Celle-là appartenait à mon papounet, donc elles sont assez vieilles, c'est pour ça qu'elles ont cette couleur, mais ne vous inquiétez pas, ça se verra plus après. Mais voilà, donc ça va être vraiment un très gros mock, et j'espère que ça va vous plaire. Donc on va faire ça sous le principe de Weekly Updates. Donc vous connaissez peut-être ce principe si vous connaissez SolidBird Studio, il en a fait ça pour son mock sur Kashyyyk. Et bah du coup, je trouve que c'est une très bonne idée de construction. Donc, tous les vendredis à 16h, et je vous y donne rendez-vous, 16h ou 16h30, vous aurez la vidéo donc, de la semaine où je vous parlerai un petit peu au début de ce que l'on va faire. Ensuite, il y aura un petit speed build. Et enfin, je vous montrerai ce que j'ai construit. Et puis, on se quittera là-dessus, des vidéos d'environ 10 minutes. Donc voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer. En tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas parler bien plus longtemps. On va commencer à faire la structure. Alors par contre, je vais essayer de réaliser un défi technique assez impressionnant, si on peut dire. C'est que, comme vous le savez, donc je suis chez moi. Et chez moi, je mange quand même sur ma table, parce qu'on est sur ma table de cuisine. Et en fait, on va essayer de faire un mock qui soit démontable. Donc ça veut dire que je puisse écarter les quatre plaques, au moins pour le premier étage, et ensuite on fera des étages qui soient détachables. Donc ça va être vraiment la difficulté de ce mock, de faire en sorte qu'il soit détachable. Donc bah voilà, ce sera un défi technique supplémentaire. En tout cas, j'espère que cette série va vous plaire. Moi en tout cas, je suis assez excité pour pouvoir la faire, hein, entre guillemets. Et puis, bien écoutez, je vais commencer le speed build. On va commencer par faire les bases du mock, enfin les bases du temple. Donc j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve juste après pour ce qu'on aura commencé à faire. A tout à l'heure, c'est parti. Voilà, alors on se retrouve. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé le mock. Alors, pour l'instant, ça ressemble pas forcément à grand-chose. Je pense que vous pouvez vous dire, oui, ça ressemble pas tout à fait à un temple Jedi, d'habitude qu'il y ait plus de relève sur les murs, tout ça. C'est normal, tout simplement, parce que pour l'instant, je suis en train donc, de faire un premier jet. Donc, je fais un peu ça au feeling. J'ai une image quand même en tête, mais voilà. Bien évidemment, il me manque des pièces. Hein. Regardez, j'arrive déjà à court de briques comme ça. Il me manque encore tout là-bas à finir. Et il faut rajouter encore... minimum deux épaisseurs là, donc je vais refaire des commandes bien évidemment, mais pour l'instant voilà le mock est en cours de, donc, de construction. Ce que je veux dire c'est que donc, vous pouvez voir il y a quand même, j'ai déjà mis quand même quelques reliefs, je vais vous montrer, j'ai mis déplacer voilà, un peu sur le côté, vous pouvez voir là au niveau des
des vitres, donc qu'on a quelques reliefs sur les côtés. Il y en a qui seront beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts, qui partiront des étages, enfin des choses comme ça. Donc voilà, ça va vraiment être très très haut, hein, au moins facilement une cinquantaine de centimètres de hauteur, je pense. Donc au niveau des étages, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, c'est le rez-de-chaussée. C'est ici où il y aura notamment la bibliothèque. On fera un petit coin bibliothèque qui, je pense, pourrait être assez sympathique. Donc vous aurez vraiment l'accueil. Au-dessus, on aura un deuxième étage où il y aura le centre d'entraînement de tous les padawans, tout ça. Au troisième étage, un hangar. Et au quatrième étage, le conseil Jedi. Donc voilà, quatre étages. Il va me falloir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de pièces. Donc je sais pas. Voilà, on va devoir en acheter, bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On est peut-être un peu en dessous des 10 minutes. Mais bon, voilà, c'est parce que c'est la première. Forcément, j'ai un peu moins de choses à vous montrer. Donc juste, comme vous pouvez le voir, si j'enlève, donc en fait, ça, hop, va le faire sauter. Voilà. Si j'enlève ces pièces, comme vous pouvez le voir, le mock va être complètement détachable. Et c'est bien évidemment le but. Par contre, je suis en train de défoncer les doigts à faire ça à main nue. Et je suis en train de me dire que je vais pas dans les pièces. Dans mon déménagement, je pense ne pas en avoir pris. Alors, je vous enlève ça. Et comme vous pouvez le voir, regardez. Normalement, voilà, si je n'avais pas fait les choses à l'envers, tac, il faut que je mette deux petites pièces comme ça ici. Non, ça devrait le faire. Voilà, regardez. Ah bah oui, suis-je bête. Bon, j'ai fait une erreur, comme ça vous voyez, ça me permet de corriger. Alors c'est juste que pendant le montage, donc j'ai pas mis la bonne pièce au bon endroit. Voilà, donc on va modifier tout ça. Là, et là je vous montrerai où est-ce que je m'étais trompé tout de suite après. Mais voilà, donc vraiment c'est le but, tout simplement pour pouvoir le ranger. Et ça fait partie, je trouve, d'un... C'est un défi technique, et j'aime bien lancer des petits défis. Donc on verra bien comment on va s'en sortir. Donc vous pouvez voir là, hop, je peux complètement tirer cette partie, voilà, elle est détachable. Et une fois que je la remets, bah, elle fait partie du mock. Alors celle-là aussi, j'ai dû me tromper. Voilà, donc en fait, je vous montre où je me suis trompé. C'est que... On va faire un petit zoom. Voilà. En fait, à ce niveau-là, même si je sais que vous ne voyez pas très bien, vous voyez là, si j'enlève donc cette partie, cette sorte de pilier, si vous voulez, voilà, hop, je vais me rapprocher. Voilà, vous voyez, j'ai mis cette pièce et donc du coup, ça relie les piliers. Du coup, on va en changer. On va mettre deux petits 1. Voilà, et on va remettre ça ici. Voilà, donc vous voyez, ça va être compliqué. Après, tout autour, il y aura des jardins. Donc ça, voilà, ça sera aussi de la décoration extérieure. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, la décoration extérieure. Donc, ça va être aussi très intéressant, je pense. J'essaierai de vous donner quelques petites astuces si jamais je trouve des trucs. Enfin, si voilà, jamais, voilà, hop, on va pouvoir dézoomer. Voilà, si jamais je fais des trucs, si jamais vous voulez me demander de faire, pas un petit tuto, mais de vous montrer comment j'ai réalisé tel ou tel relief, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Et puis, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, voilà, si cette série vous branche, bah, n'hésitez pas à maximiser le nombre de pouces verts. Je vais retravailler sûrement dans la soirée sur ce début de mock. Donc, vous le trouverez pas tel quel sur la prochaine vidéo, donc qui sortira vendredi prochain. Voilà, si vraiment vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Voilà, si jamais vous aimez le projet, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à mettre des petits commentaires aussi. Et puis à vous abonner, on va bientôt atteindre les 300 abonnés qui est le cap. Donc écoutez, une fois qu'on aura fait les 300, il y aura une petite surprise bien évidemment. Je vous remercie déjà d'avance, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars.